Je suis super excité aujourd'hui de vous présenter mon top 5 des meilleurs jeux pour gagner de l'argent gratuitement juste en jouant à des jeux vidéo. Alors, si vous ne savez pas, il est maintenant possible de gagner de l'argent juste en jouant à des jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle des play to earn. Alors, vous n'avez pas besoin d'investir, non. Et cette fois-ci, vous allez gagner de l'argent juste en jouant. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, il est maintenant possible de gagner de l'argent juste en jouant à des jeux vidéo. Alors, si vous êtes nouveau à la chaîne, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que dans cette chaîne, nous parlons de comment gagner de l'argent en ligne, d'investissement, de crypto-monnaie et bientôt, nous allons parler de bourse. Du coup, le premier jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu tout simple qui vous permet de gagner de l'argent juste en misant sur des chevaux. Alors, ce jeu s'appelle Pegasi. Et comme vous le voyez, c'est un jeu très simple et je vais bientôt investir sur sa crypto-monnaie. Je vous invite pas à investir sur sa crypto-monnaie. Vous pouvez juste jouer à ce jeu et gagner de l'argent. Et ici là, vous pouvez utiliser des Pegasus, comme ça qu'on appelle les chevaux ici, jouer avec et gagner de l'argent. En fait, pour commencer, vous allez emprunter les chevaux d'autres personnes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de capital pour acheter un Pegasus, comme ça qu'on appelle les chevaux dans le jeu, vous pouvez emprunter un cheval d'une autre personne et aller jouer avec. Et quand vous allez gagner, vous allez prendre une commission. Alors si vous voyez cela, voici il y a un cheval qui est disponible. Donc c'est pas tous les chevaux qui sont disponibles. Voici un cheval qui est disponible gratuitement. Alors vous pouvez prendre ce cheval. C'est-à-dire que en jouant avec ce cheval, si vous gagnez, vous allez gagner 10% de la récompense et le reste va partir sur la personne qui a le cheval. Alors c'est tout à fait normal parce que vous n'avez pas acheté le cheval. Si cette crypto-monnaie est évaluée en dollars, c'est-à-dire que 1 USDT est égal à 1$. Donc comme vous le voyez cela, 629 USDT, ça veut dire 629$. Alors si vous avez un capital de départ, vous pouvez acheter vos propres chevaux et partie mise avec. Alors je vais essayer de vous montrer comment se passe le jeu. Alors voici comment le jeu fonctionne. Je vais essayer de mettre un peu de but pour que vous puissiez voir comment fonctionne le jeu. Alors c'est très simple. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi investir sur sa crypto-monnaie qui est le Pegasi. Alors, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste que ce jeu est vraiment incroyable. Je pense que ça, elle a du potentiel parce que c'est encore nouveau et c'est totalement gratuit. Alors, le deuxième jeu, il s'agit de The Sandbox. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, The Sandbox, c'est un jeu qui est vraiment extraordinaire. C'est peu bien ici parce que ici, là, vous avez des terrains sur le Metaverse. Vous pouvez créer votre propre façon de jouer. Alors, voici par exemple un exemple. C'est un jeu qui a vraiment buzzé, c'est-à-dire qu'en 2021, elle a explosé. Google a dit qu'ils vont entrer dans le metaverse et tout et tout. Mais elle a encore du potentiel parce que c'est encore tout nouveau. Je pense que dans l'avenir, elle va prendre de la valeur et plus de gens vont s'intéresser à ce type de jeu. Alors, si vous êtes les premiers à jouer, alors vous serez les gagnants. Donc, je vous invite à vous intéresser à ce jeu aussi qui est vraiment gratuit. Je pense que c'est gratuit. Donc, vous pouvez cliquer sur ce play et commencer. Connectez votre compte MetaMask au jeu. Et ensuite, vous allez créer votre avatar, vous allez sélectionner un terrain et c'est parti, let's go. Du coup, on va passer au troisième jeu. Le troisième jeu, c'est un jeu d'aventure, c'est un peu les jeux de... Je sais pas si vous avez connu Obelisk, un jeu d'Obelisk. Avant, c'était dans les 2014-2015, pratiquement le même cas. Mais ici là, vous allez gagner de l'argent, évidemment. Vous pouvez changer cet argent contre de l'argent réel. Je l'ai déjà dit, mais je répète encore, c'est totalement simple. Et si vous voulez, vous pouvez l'échanger. On va voir sa crypto-monnaie aussi, qui a 0,003055 centimes. Donc c'est un jeu qui est encore tout nouveau. Si on descend, vous allez voir que c'est vraiment énorme. On va mettre play pour voir comment le jeu fonctionne. Ouais, quand vous gagnez, vous allez avoir une récompense. C'est totalement gratuit en fait. Donc, si vous êtes un gars, une personne qui est passionnée des jeux, au lieu de jouer à des jeux qui ne vous rapportent rien, ici, vous pouvez jouer à des jeux qui vont vous rapporter un peu d'argent. Ça peut vous apporter même des sommes incroyables. Vous pouvez gagner pratiquement 100$ par jour juste en jouant à des jeux vidéo. Les play to earn sont encore à leur début. Ces jeux vont aller très loin parce que vraiment, gagner de l'argent juste en jouant, c'est un rêve en fait. Maintenant, on va passer au quatrième jeu. Le quatrième jeu, il s'agit de Cryo War. Alors, c'est un jeu aussi d'aventure, mais ici là, c'est un jeu un peu, disons, 3D en fait. C'est plus bien ici, un peu 3D. Il connaît pas très bien les jeux. No play to win. Donc, vous pouvez ne pas jouer et gagner de l'argent juste
en investissant sur sa crypto-monnaie. Le jeu est basé sur la blockchain Solana. Donc, ça veut dire que les frais sont très bas. C'est vraiment un jeu extraordinaire. Ici, là, vous pouvez choisir votre guerrier et partir en aventure, vous voyez. Et ensuite, vous allez gagner de l'argent juste en allant. Vous allez découvrir des pièces et tout et tout. Et vous allez gagner la crypto-monnaie du jeu en question. Et vous pouvez échanger cette crypto-monnaie sur les exchanges contre de l'argent réel, en fait. Et si on part pour voir comment le jeu fonctionne, voici un exemple ici, là, comment le jeu fonctionne. Et on voit qu'ils sont en partenariat avec KuCoin qui est aussi un portefeuille. Du coup, ça donne encore plus de crédibilité à ce jeu en fait. Donc, voici comment le jeu fonctionne. Et si vous voulez y aller, je mettrai les liens dans la description. On va passer au cinquième et dernier jeu. Le cinquième et dernier jeu, il s'agit de League of Ancients. C'est aussi un jeu d'aventure où vous allez gagner de l'argent en allant à l'aventure. Je vais essayer de vous montrer comment ça se présente. Voici ça. Voilà, voici comment le jeu fonctionne. Vous gagnez l'argent en commentant des autres personnes. C'est gratuit pour jouer et pas derrière, vous gagnez de l'argent en fait. Donc c'est vraiment énorme. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, les play to earn, parce que c'est un truc de nouveau. Et l'avantage, c'est que quoi qu'il y a un référencement, c'est-à-dire que vous pouvez amener d'autres personnes à jouer à ce jeu et gagner sûrement une commission, c'est vraiment très bien. Et je pense que c'est encore tout nouveau et ça va encore aller très loin. Donc il va falloir que vous connectez votre compte MetaMask ici. Alors comme vous pouvez le voir ici, là, en fait, ce jeu aussi est basé sur les NFT en fait. Donc vous pouvez gagner de l'argent juste avec des cartes aussi. Et ces cartes prennent de la valeur, vous pouvez les miner. Comme vous voyez, vous pouvez les miner pour que la carte prenne plus de valeur. Et après, vous pouvez la revendre en fait. Comme vous voyez, il y a plusieurs cartes. Je crois que c'est pas si cher que ça, 60$. Donc, dites-moi en commentaire si un jeu vous a plu. Et aussi, si vous voulez que j'en parle plus, parce que c'est aussi une nouvelle thématique que j'aborde pour la première fois sur ma chaîne. Alors, si ça vous intéresse et si vous voulez découvrir d'autres jeux, dites-moi ça en commentaire. Et aussi, dites-moi quel jeu vous préférez. Cela, ça pourra m'aider pour les choix des prochains jeux. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que faire ce genre de recherche me prend énormément de temps pour trouver les meilleurs jeux pour faire, pour voir si ce n'est pas des scams et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires ou venez me rejoindre sur Instagram. Je mettrai le lien de mon Instagram dans les commentaires. Si vous voulez rejoindre ma newsletter pour que je puisse vous envoyer des emails chaque dimanche sur la productivité, les business en ligne, etc. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.